ça. Chris, mon gars, si mais d'avoir le mat avait été aussi vite, là, je me serais rendu plus loin que juste une blague à l'université. Oui, j'étais là à l'école, c'est hey, je veux juste avertir les gens qui parlent. Allez parler dehors ou retenez vos émotions pour plus tard, s'il vous plaît. Hey, je voudrais qu'on applaudisse plus fort de Julia 7, s'il vous plaît. Pour le concours, vous dire, les gars, venez l'année prochaine avec plus de tunes. Comme ça, il y aurait eu plus d'hématomes en face du monde, puis d'anévrisme. Hey, belle prestation, messieurs. Comme je vous ai déjà dit, j'haïs en tabarnak ce que vous faites, mais vous êtes très bons. Ça, c'est pour les gens qui n'étaient pas là. Toujours cette espèce de petit feeling de n'importe quoi, que le fait que le riff y revient, ben tu te dis c'était pas vraiment n'importe quoi. Ça, ça me frappe, c'est d'ailleurs pourquoi vous avez des bons points de ma part, c'est parce que je sens cette espèce de... Vous êtes capable de le faire, vous êtes comme des profs de maths qui veulent comme mutiler leur, ou punir leurs élèves d'une façon différente, tu sais. Leur vendre un CD pis vont dire « Ah, c'est ah, Chris, c'est mon prof, tabarnak! » Fait que tu sais, je trouve ça off, c'est un autre niveau. Vous êtes fucking tight. Au niveau du drum, j'adore tes time signatures, ce que tu fais de fucker en même temps que tout le reste du band. C'est sûr que au niveau du kit de la guitare, on a déjà dit pour le son, c'est un peu weird. Je pense des fois ça accroche les gens, je connais pas le nom technique de whatever. Les gens à l'arrière, fermez vos gueules! Fait que, mais au niveau du drum, la seule chose qui, moi, me gosse, c'est des fois c'est que ça pourrait être plus comme un vrai blast beat musical, pas comme bass drum, crash, snare, tout en même temps. Caf, caf, caf. Ça, moi, c'est le côté musical. Ça me tape un peu. Il me semble que tu préfères des fois, tu fais, ouais, musical en sans Christ. C'est le bassiste, tu sais. Mais, c'est ce que j'allais dire au niveau de ça. Fait que c'est ça, au niveau de des blasts, quelque chose d'un petit peu, juste vraiment des blasts. Au niveau du vocal, un peu plus de variation. Je t'ai pas vu faire ton truc avec ton frère. Tu n'avais pas utilisé ton mégaphone, oui. J'avais comme quelqu'un. Ah! Oh! T'es pas supposé venir me cracher dans la face, tout. Il y avait trop de monde. Ça, c'est très hot. C'est hot, visuellement, le karaté était au milieu. Le plein était. Tu sais, il y avait au moins un visuel qui était respecté. Ça, j'ai aimé ça. La baisse toujours aussi malade, mais aussi groovy. T'es comme un mince Patrick Masbourian blond. Le profil, c'est comme ça. J'étais comme, ah, si, c'est Patrick, c'était hot. Qu'est-ce que j'avais d'autres comme niaiserie? Vous êtes comme un autre genre d'extrême. Les gens qui ont des musiques extrêmes vont attendre comme du crypto, n'importe quel astidane, qui vont à 400 000 à l'heure. C'est comme l'extrême de comme la non-musicalité de la musique. Puis ça, je trouve ça extrême hot. Il y a cette espèce de fébrilité qu'on n'est pas sûr si vous étiez peut-être. Mais ça se reprend tellement bien que c'est tight, fait qu'en CD, on verra, puis au pire, je vous baisserai vos points dans un an quand vous avez sorti quelque chose. Ça va être correct, hein? Ça va sûrement. Je sais pas si vous avez pensé à ajouter des sons électroniques. Tu sais, je sais que vous jouez avec le mégaphone. Je verrais, comme entre les tunes, comme des sons électroniques pour remplir l'espace. Parle plus à la foule. Bon, c'est sûr que t'as comme trois tunes, là. Tu peux pas comme te. Mais expliquer entre tes deux tunes. Peut-être la toune parle de quoi autre qu'avoir l'air d'être frustré d'attendre en ligne à l'UQAM au début de la session pour avoir des livres. Moi, c'est ça que je sens, tu sais. Puis je sais que je vous écœure parce que ça fait comme des lunettes, puis comme moi, je suis rasé, puis je mets du sang chaud, mais tu sais, ça n'est pas personnel, c'est excellent. On sait que votre musique, c'est hot parce que Michel Ayoub qui fait du air drum, qui tape du pied. J'ai échappé mon crayon! T'es comme, ah man, astic, ça goûte! J'étais là, ok, pis tu vois, et, pis c'est intéressant parce que d'autre côté, tu regardes une personne, une fille dans un coin, qui est comme, what the fuck is that? Fait, c'est beau de voir les deux côtés de la médaille, des gens qui adorent ça, des gens qui sont comme, man, c'est fuck. Même je sais que ma blonde va faire comme, c'était quoi cette merde? J'ai trouvé ça génialement mauvaisement bon. Fait que, c'est fucky, hein, en tout cas. Michel Ayoub, mesdames et messieurs, qui va sûrement dire plein de choses. T'écris mal. Bon, il dit que j'écris mal, puis en plus, j'ai écrit sur le côté de la page « Bitches who be reading, I have horrible writing ». C'est la seule chose que je peux dire. C'est comme un code pour tout le monde. Ben, comme il a dit, je faisais du air drum parce que justement, vous tombez dans le style que je tiens à cœur, que j'adore. Ceci étant dit, j'ai su pendant votre set que c'est votre deuxième show à vie. On applaudit pour ça, mesdames et messieurs. Yeah. Que je peux voir le potentiel parce que vous êtes justement dans un genre que j'aime beaucoup personnellement. Puis étant Bookers, blablabla, je travaille avec énormément de bands. Je travaille autant dans le indie, le pop, le ci, le ça. Fait que de trouver un band qui a un genre que personnellement j'écoute à la maison quand j'étais en petit bobette,
You need something, right? Ça marche pas dans ma fête, dans ma tête, toi en bobette avec ceux qui jouent au background, t'sais. Yeah, dude, I'm always getting my throat slashed, c'est comme, and I'm fucking gross. C'est comme une expression. But my being gross aside, où est-ce que je vais laisser mes critiques, justement? C'est dans un style que je me connais bien et que j'aime beaucoup, fait que je peux faire des comparaisons à plein d'autres bandes. Je vais pas toucher à ça. Ce que je vais toucher, c'est, étant donné que c'est votre deuxième show, puis ça fait pas longtemps que vous voulez, je trouve que vous êtes dans un milieu quasiment déchirant. Vous jouez bien ce que vous faites. C'est pas encore, je pense, au niveau que vous pouvez atteindre en vous regardant en tant que musicien. Je pense que vous pouvez encore aller un peu plus loin, mais vous avez l'expérience, le temps, etc. En tant qu'image, puis en tant que prestation, puis encore une fois, ça vient avec le temps, la pratique, mais on dirait que il faut que vous trouviez. Vous avez justement le carotté, le whatever, les petits fucking vestons et tout. La première fois que vous avez fait un de mes bands de une dizaine d'années que j'adorais, c'était Locust. Que vous avez un petit style qui touche un peu à ça. Mais eux autres, ils ne veulent pas sur scène. C'est tellement flyé, fucké, qu'ils ont cet aspect-là de prestation fucké. Puis en tant que bookers, quand je regarde les bandes, t'as beau être des fucking musiciens d'extrême de la mort, des fucking prodigy, whatever, c'est pas sur scène, t'es pas sur scène. C'est pas sur scène. En tant que frontman, t'avais un bon petit jeu avec le crowd. T'as sorti le mégaphone, mais on l'a pas assez vu. Moi, ça m'a pris une couple de secondes. Ah, ok, le mégaphone dans le crowd. Okay, il fait sa joke de se cracher dessus. C'est vrai, il l'avait. Fait que, soit de retomber un peu plus sur la musique, faire une musique encore plus fuckée, vous êtes bien enligné pour, ou de trouver un contrebalance de prestations. I don't know if that makes sense to everyone else here, mais. Vous étiez cool sur scène, c'était pas poche à regarder, mais il n'y avait rien qui accrochait en termes de look et prestations, mais la musique y était pour votre style. Fait que de trouver la bonne balance entre les deux. Il n'y a pas de nécessité de strap lock. Strap lock, strap on. En tout cas, il y a de potentiel des deux bords, juste question de trouver pour vous autres. Quel bord? Which side to lean on? Wink, wink. On se fait des jokes de Strapon. Sur ce, c'est vraiment la plus grosse des commentaires que j'avais à dire. Chris Donaldson. Tu sais, ça paraît qu'on a viré pas mal de brosses ensemble parce que c'est pas mal ça, j'écris moi aussi, tu sais. J'aimais ça, moi aussi, j'adore ça, je trippe là-dessus. Tu sais, je trippe Gorgas, Zellinger, pis toutes ces choses-là. Fait que personnellement, j'aime bien ça. J'adore ça, je trippe ces affaires-là. Mais encore une fois, tu sais, je vais point par point, tu sais. C'est vrai que j'entends trop les influences encore. Mais c'est correct, tu sais, c'est correct. Ça. J'entends juste trop d'influences. J'entends le hockey, c'est que ça, c'est Burnt by the Sun. Donc, ça, c'est Dillinger, ça, c'est des affaires comme ça. Mais c'est correct, ça reprend ça. Je te dis, ça prend généralement un album, deux albums. Fait que capotez pas avec ça, parce que continuez, parce que c'est ça qui coule. À part ça, ben, tu sais, même le look, ça marche super bien. Mais tu sais, encore une fois. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? On veut-tu commencer à impressionner le monde avec une gimmick quelconque ou on veut être commandité par Detox? Lequel des deux on veut faire, tu sais? Fait que, je sais pas, vous êtes quelque part des deux, c'est ça qui est cool, tu sais? On peut demander de faire une gimmick à Detox, peut-être, je sais pas, on va essayer de faire de quoi? L'année prochaine, man! L'année prochaine! À part ça, ben écoute, côté tightness, ben, c'était drôle. Je peux pas rien dire d'autre, c'est drôle. Drette, je peux le dire en Corée, mais c'est drôle, tu sais, c'est drôle. Stage presence, comme c'est, c'était super hot. Mais une affaire qui m'a comme buggé, puis c'est correct, là, tu sais, c'était charmé, la vie est belle, là. Mais remercier les gens, c'est cool, parce qu'on aime ça, tu sais, remercier les gens, mais c'est pas assez mime pour ce que vous jouez. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais, vous voulez tuer tout le monde, puis là, t'as rendu que t'aimes les gens, non, ça marche pas, c'est un ou l'autre, tu sais. Puis, à part ça, ben, musicianship, hein, ça a dû être vraiment de la merde à monter, fait que félicitations. C'est pas mal ça. Lex! Ben, c'est long fil, là. On se part dessus. Salut, messieurs, merci beaucoup pour votre prestation que j'ai beaucoup appréciée. Je vous l'avais dit l'autre jour. D'habitude, j'aime ça quand il y a de la mélodie, mais quand ça devient extrême de même, on dirait que ça vient chercher un côté moins que. Comme qui fait que j'aime Locust ou Danger Escape Plan et compagnie, là, comme eux autres ont mentionné. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai trouvé que vous êtes peut-être des fois un peu trop dans votre prestation personnelle, comme si vous aviez une bulle, puis que vous
vous n'êtes pas habitué de vous checker quand vous êtes dans le jam, puis vous tripez sur votre musique quand vous la jouez, mais essayez d'en sortir un peu plus. Comme d'autres, ils disent, contact avec la foule, sans vouloir être chummy, parce que c'est pas votre style, mais au moins, faites des contacts de yeux avec le monde. Il y en a qui sont impressionnés par ce que vous faites, puis si tu lèves les yeux pendant une passe qui est élevée, il va se dire, il me regarde pendant qu'il joue ça, moi, il dit, je suis obligé de checker ses doigts, savoir ce qu'il fait, tu sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé trippant, même du côté du drummer, tu drummes souvent les yeux fermés. Puis là, ben, on se dit, le gars, il regarde même pas ses pièces, il est fesse, il change de place, il change les structures, les rythmes, puis il garde ses yeux fermés, c'est super trippant. Mais en même temps, comme je dis, on dirait que vous êtes dans une petite bulle. Faut pogner de l'expérience sur le stage pour être capable justement de tout développer ça. Ça va venir avec le temps. J'ai trouvé trippant l'utilisation du mégaphone. Moi aussi, je serais d'accord avec rajouter des petits trucs électro. Ça ne surchargerait pas votre musique parce que vous avez rien qu'une bass et une guide. Tout le monde y joue à deux guides de toute façon à Star, puis il rajoute un keyboard en arrière, fait une track pour être sûr que c'est correct. Fait que. Hein? Fait que moi je pense que vous avez encore un petit peu de place pour bien trouver un son. Checkez ça, jaser avec des amis, réécouter d'autres affaires que vos influences principales pour aller en chercher, parce que les petits bouts que vous faites en plus, qui sont complètement en dehors de votre musique déchaînée, qui tombent plus jazzy, plus funky, ça pourrait vous permettre justement d'incorporer dans d'autres places d'autres genres de trucs là, qui va faire que votre musique extrême va devenir encore plus percutante. Parce que les gens s'en attendront pas, il va avoir des passes bien destroy puis des passes plus calmes. C'est pas obligé de vous intéresser, mais je vous jure que ce genre de structure-là, ça va être dans le style que vous faites. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. C'est Yo! J'ai envie de vous dire le jour de 7 ans. Alors, chers amis, vous avez environ 15 minutes pour aller. Vous abreuver, prendre la drogue. Je vous conseille de ne pas en prendre la trop forte. Le prochain band, Tribunal, s'en crisser d'en face, c'est pas assez puissant pour ce band-là. Alors là, c'est un extrême opposé à The Julia 7. Préparez-vous pour un set de fou. N'oubliez pas de voter dans la petite boîte. Voskovskaya, qui va être sur la table des juges avec votre billet. N'oubliez pas que le band qui a le plus de points et le plus de votes sera en finale pour jouer au Trois-Rivières Metal Fest. Alors, soyez de retour à...